Salut les gens, c'est Slan. Alors, on est toujours avec les Avernes, c'est le 21e épisode, on est en 522. 522, ça signifie 232 avant Jésus-Christ, il doit rester pile poil 200 ans. Alors, toc toc toc, on a décidé qu'on allait attaquer lui parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Alors, on y va. C'est parti. Ah oui, on a plus de 20 du coup. Alors ça, a priori, on le fait pas. Ça non plus, ça non plus. On attend que ça monte. On est à 47%. On a commencé enfin à reprendre du poil de la bête, dirais-je. Mais il a pas de fort, lui. Waouh, waouh, waouh. Bon, on y va par 3, alors, tiens. Excellent. Désélectionner, fusionner, 1, 2, 3, sélectionner, 1, 2, 3, sélectionner, ça m'a l'air très bien tout ça, 1, 2, 3, mais ça va être une vraie partie de plaisir. Non, je rigole, ils ont des technologies militaires bien bien au-dessus de nous. Donc tout ce que je peux garantir, c'est qu'on va prendre cher. Bon, lui, il va rester un petit peu en réserve hein, pour l'instant. Ah, je vais l'automatiser, tiens. Défendre les frontières, vas-y, défends les frontières. Et toi, tu vas aller sur le fort qu'il y a là-bas. Très bien. On a une troupe supplémentaire qui est en train de revenir. Et on va aller ici. On va faire le tour. Alors là, on va avancer doucement et avec prudence. Ou alors on va foncer. J'aime bien ma stratégie. J'avance avec prudence. Ou alors je fonce. Très bien, c'est tout à fait compatible comme stratégie. Faisons les deux en même temps. Alors, évidemment, là, on peut refaire une route. Hein. Ou pas, on n'a pas de points. Si, du bois, tiens, intéressant. Allons-y, avec Parisie. Hop là, expliquez-moi où sont leurs troupes. Toi, t'es autonome. Hein. Toi, je t'embouche. Et tu vas aller, tu vas parcourir le monde à la recherche de... Ah! Non, on peut passer par-dessus eux. Ok. Pour l'instant, ils n'ont pas appelé d'amis, eux. Non, c'est que les deux gros. Bah écoutez, si on doit mettre une baffe côte de gros, moi je mets une baffe côte de gros. Hein. Par contre, ça sera de la prise de terre, hein, pas de la prise de terre. Très drôle. De territoire. Bah, je vais cibler les côtes, hein, évidemment. Ah, bah voilà, ils sont tous là. On va essayer de faire un barrage. Apparemment, ça dit que je vais me prendre une baffe. Donc, du coup, je vais partir du principe que je vais me prendre une baffe. Et ici, je vais laisser deux bonhommes. Puis, je vais aller ici. Puis, ici. Et puis, je vais revenir. Ah, là, il y a 24 000 hommes. Peut-être un peu beaucoup pour que je leur rentre dedans. Et toi, évidemment, c'est pour ça que tu pouvais passer par-dessus les bonhommes. Parce que t'as le petit drapeau. Petit malin. Petit drapeau, petit malin. Voilà.
Ah, il serait temps d'aller prendre ma politique là. Oh, j'avais pas dit que je montais moi. Hein. Ça se passe bien pour des gens qui ont beaucoup de technologies d'avance. Hop là. Hop là. Et puis toi, tu vas rester là. Ou tu vas aller là, tiens, peut-être. Bon, là, il faudrait les cerner, eux. Ça serait le but. Ça va être compliqué, ceci dit. Hein. Ça y est, il a décidé d'avancer. Ouais, il m'attaque. Par contre, pourquoi t'as le drapeau là? Tu vas l'enlever ton drapeau. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils se prennent des baffes comme ça là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment le monde a pu en arriver là? Très bien, bon, écoutez, toi tu es autonome, toi tu vas prendre de fort par. J'ose pas dire par derrière, mais c'est le concept. Ça, par contre, c'est ma cavalerie. Elle a rien à faire sur un fort. Donc toi, tu vas y aller. C'était juste pour y aller vite, en fait, à la base. Est-ce qu'on peut faire des marchés? Parce que ça me détend de faire des marchés. Voilà. Des marchés qui vont nous augmenter notre civilisation 1%, à chaque fois, c'est pas beaucoup, mais quand la population augmente la civilisation, plus on augmente la civilisation, plus la chance que ce soit des freemen qui pop plutôt que des tribales, eh ben, augmente. Et donc, ben, on aura de moins en moins besoin de convertir les tribesmen, qui sont très longs à convertir automatiquement, mais pas très coûteux, mais quand même, il y en a énormément, hein, donc. Là, vous voyez, des tribesmen, j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il faut les convertir à la main, ça coûte 5 à chaque fois, donc ça peut être un problème. Ouh, ma loi. Ma loi, ma loi, ma loi, ma loi. Ma loi, c'est celle-là. De 256, c'est génial. Et je vais faire un présage. Hop, j'augmente la population. Surprise. Et bientôt, on va pouvoir augmenter la stabilité à nouveau de 1. Du coup, là, tout ça, c'est en déroute, tout ça, là. C'est quand même assez bizarre. Hop, là, on va revenir. Voilà, celui-là, il va là-bas. On n'a plus que 3, déjà, on en a réuni la moitié, là, dans cette troupe. On va mettre tout le monde là, ici. Et on reviendra ensuite. Lui fait le tour pour y aller. Là, on va bientôt arriver, donc tu vas pouvoir bouger. Ah, on a perdu une bataille là. Une grosse. Allez, tu vas te mettre là. Ah bah c'est pas là, c'est où? Vous bougez pas, vous venez pas m'aider? Où ai-je perdu cette bataille? Je veux bien perdre en popularité et puis même en argent. Donc là, c'est une victoire. Ah, c'est lui qui s'est fait éjecter. D'accord. Bah, t'es, c'est elle ou c'est lui? C'est lui. J'avais un autre mercenaire. Je crois que c'est elle. Voilà, j'en ai deux des mercenaires là. Bah écoute, toi tu vas aller là, toi tu vas retourner là. Et toi tu vas aller là. Et les autres vont rester sur place. Ok.
On va venir ici. On va réunir tout le monde, puis on va essayer d'aller se... On va essayer d'aller là-bas et puis on va essayer de consolider lui. Ça, c'est pas bien ce que je fais là, moi. Je rentabilise pas vraiment mes bonhommes là. Il faudrait que j'aille faire un barrage plus haut. Tiens, je vais faire un barrage ici. Et il faut que je descende avec ma cavalerie là. Ah là il attaque, faut que j'y aille. Allez go. On y sera vite, t'as juste à tenir bon un petit peu. Après c'est possible que je vienne te filer un coup de main avec eux aussi. Alors pourquoi je peux pas les réunir? Personne te demande de céder quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes? Personne t'a demandé de céder quoi que ce soit. Pourquoi vous voulez pas... D'accord, toi c'est ta troupe comme ça, tu fais ta petite vie, mais du coup tu es un peu pathétique alors tu vas aller là-bas. Et ça par contre, il doit y avoir un nouveau leader là. Lui. Il y en a peut-être un là. Ah bah il y en a déjà un. Là, je peux pas le résilier. Par contre, je peux virer tout le monde. Voilà. Et donc là on va réunir avec ce monde. Allez. On va quand même revenir ici. Non, on va aller là-bas. On va aller là ensuite. C'est parti. Lui, il arrive au bout ou pas? Peut-être bientôt. Oh là, la bataille se fait vite, hein, dis donc. On a gagné la bataille. Ok, lui s'en va. Les chevaliers, ils vont... On va suivre le mouvement, on va aller par là-bas voir ce qu'il y a. Nous, on va aller là. Ah voilà, il y a un petit malin là. Chevalier, on va pas aller voir là. On va pas aller là-bas, on va aller voir le petit malin. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont rentrés dans la guerre? A priori non. A priori non. Maloua. Je peux la passer, oui? Non mais oh. Voilà. Un peu moins de taxes. Alors on a enlevé de la loyauté maximale. ABC. Et de la satisfaction des tribaux. Alors, la satisfaction des tribaux, on n'arrête pas de l'enlever. Hein. Donc, on va le payer à un moment ou à un autre. Il va falloir le payer avec ça. C'est-à-dire qu'il va falloir les convertir dans les provinces où ça va mal se tourner. Ouh, là, il y a beaucoup de monde maintenant qui boude. Mais bon, on va accorder un triomphe. Là. Toi, je vais te chercher un traitement. Et t'acheter. Toi, je vais rien faire. Alors toi, tu vas aller là-haut. Pour le soutenir parce que là maintenant il est un peu trop faible lui, hein. Vous allez aller là et puis on va avancer là moitié moitié. Tu me ressors un petit peu de monde là de ton truc, par exemple les 5 archers, tiens. Voilà. Ah bah voilà, j'ai mon mercenaire là qui est dispo. Il va aller faire le nettoyage là. Lui il
va aller là-bas, on a le temps d'y aller. Toi, tu vas pas, du coup, ça sert à rien. Non, non, il a le temps, Eh, arrête-toi. Ah, t'es plus loyal, d'accord. Bah écoute, va le combattre. Hein. Si t'es plus loyal et que tu vas défoncer des ennemis, moi, qu'est-ce que je dis? Moi, je vais accompagner l'autre, ici. Au fort. On a le garde du corps qui est un petit peu boudeur. Quel âge t'as, garde du corps? T'as 58 ans. Alors ça, ça va aller là. Et ça, ça va aller là. Ok. Ah bah ça y est. Ça arrive. Pas trop tôt. Donc toi t'es là, mais t'as beau être déloyal, je veux te dire, c'est exactement ce que j'aurais aimé que tu fasses. Eh, j'en ai vu un passer là. Va pas te cacher, va pas te cacher. Je t'ai vu passer. C'est bien d'aller se cacher, mais... Ah voilà. Hein? Pardonnons-lui. Et pris sur le fait en train de... Lucie Aikua se tient debout. C'est alors que le corps de sa victime n'a pas encore refroidi. Bon, bah écoute. Devant notre premier magistrat bienveillant. Elle a tué quelqu'un, mais c'est pas bien. Pardonnons-lui. Faisons-la jeter au fer. Bof. On va lui pardonner. Tuer quelqu'un, c'est pas non plus un drame. Ah. Donc toi, tu vas aller là, puis là. Oh, on a 13 000 qui débarquent là, quand même. Hein. Bon, alors toi, t'es à moins 7. Oh, tu peux pas, non. Bah, tant pis, on a perdu le siège pour rien. Ah non, moins 14, t'as pas perdu beaucoup. Intéressant. J'avais pas vu ce mécanisme avant. On va voir si on peut aller aider là-bas. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est moi qui suis en déroute. Ah oui, c'est moi qui suis en déroute. Oh là là. Mais comment ils font comment ils font pour en arriver là? Alors, le gouverneur perd. Non, mais c'est pas grave. Allez hop, acheter, allez hop, acheter. Là, ça va là-haut. Là, c'est moi qui suis en déroute. Ah bah, maintenant, ça va être eux. Bien, bien, là on n'a pas pris la province, là on a bloqué tout le monde. Ah, ils sont pas bloqués, hein, ils y vont. Bah, je vais venir là alors moi aussi. Je vais les suivre. Je vais les suivre. Aïe, là-bas ça va piquer. J'ai remporté un siège, je pense que c'est celui-ci. Ça va me permettre d'aller là. Ok. Et donc là, bah, on va essayer de... Voilà, d'aller là.
D'où il sort ces 7000 là? M'arrange pas du tout. Ma cavalerie qui prend cher. Aïe aïe aïe. Petite défaite minuscule. Et lui il arrive, hein, il intervient. Hein. Il est loyal, mais il va faire des trucs. Ça c'est marrant. Il vit sa vie, il est autonome. Je pense qu'il cherche de la gloire en fait. Ok, là on va aller bloquer vers là-bas. Parce que là on peut pas passer. Mais on a toujours personne d'autre dans la guerre, non, et donc ça va se calmer assez vite. On pourrait regarder quand même la capacité qu'on peut faire là, parce que mine de rien, on a que 15 points. Et donc admettons que je prenne ça. Hein, c'est déjà 9. Hein. Et ça c'est 19. Oui donc... Donc ça sert à rien. Hein. Ah et par contre... je vais pas pouvoir faire 15 points. Pour pouvoir faire que 9 points, d'accord, je vois, ouais. Donc là, il faut que je fasse ma guerre séparée, ma paix séparée. Par contre, c'est le 1er janvier 325. On a encore du temps. Hein. Oh là là, lui, il est pas content. Il en veut au monde entier. Là, c'est bon. Parce que mine de rien, là, on est en train de valider tout ça. Y compris les deux châteaux. Lui, il va faire le tour. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ça, tu vas pas aimer du tout. Ça, tu vas pas aimer du tout, mec. Ah, on peut pas passer quand même. Ah bon, on va aller bloquer ici. Bonne chance. Ah, c'est quoi cette troupe? Je l'avais pas vu. Ah, parce qu'ils se permettent de passer par là. Bah oui, c'est sûr que c'est plus facile si vous pouvez passer par là. Non, bah du coup, je vais pas faire le duo, moi je vais rester là. Puis toi, tu vas venir ici. Puis lui, bah il va aller là. C'est deux troupes, ça. Celui-là va aller ici. Et là-haut, il est en train de prendre le contrôle. Ok, c'est très bien. On va vérifier que les provinces sont toutes en bidouillage là. Voilà, sauf les deux qui ne doivent pas l'être. Ok, donc on va utiliser nos points. Encore ici. Jusqu'à ce que mort s'en suive. 104, ça va, ça progresse bien. Bonjour monsieur, pour me voir. Apparemment, il y en aura bientôt un autre. Voilà. 89%, les autres 61%, ils sont moins contents. Pourquoi ils sont aussi contents, eux? Ah, parce que le niveau de civilisation est bas, ils sont contents. C'est chouette, finalement. Une forme d'équilibre qui se passe. Ah. Sauf que là, c'est une défaite. Mais ça va se transformer en victoire. Excellent, c'est le siège qui est là-bas, ça. Du coup, ça va prendre tout ce qu'il y a autour. Toi, tu vas aller là. Lui, il va aller là. Même pas, on va faire ça, tiens. Ah ouais, on va y aller à deux. Et après, tu vas te mettre là. Ok, ici on a nos chariots. On va aller ici. Là, il a quand même une petite troupe. Ah, il revient là. Il en met une couche, le déloyal. Il aime bien ça.
Je me suis fait une défaite là? Ah ouais, j'ai envoyé en deux parties. Un coup la cavalerie en avance, c'est pas une bonne idée. Alors tous nous doivent obéissance, mais non, on s'en fiche. Ouh, bah là on peut passer maintenant. Ah, t'es déloyal toi. Ah oui, c'est vrai, bah, c'est celui qui est déloyal, pardon. Bah, du coup, toi, tu vas pouvoir passer là. Vous allez vous replier. Vous, on va faire la paix. Non, le 1er janvier. Très bien, bah, le 1er janvier, on fera la paix, hein. On a nos alliés qui commencent à débarquer, qui vont faire le taf. Enfin, lui, il a pris ça automatiquement, en fait. Hein. Hop, là, on a du monde. T'es toujours déloyal, toi? Allez, un petit triomphe, tu l'as bien mérité. Je te paye un petit peu. Ça devrait aller mieux. Oui, bah, il ramène des troupes là, et puis quoi? Il va pas passer, hein, de toute façon. Hein. Il va pas conquérir la Gaule. Alors, ils avaient une meilleure technologie que nous, mais j'ai pas été scotché par la différence, moi. Hein. Allez-y, faites des dégâts, je paye rien moi dedans. Je perds à peine des sous. Les mers, ça je m'en fiche complètement parce que de toute façon c'est pas mes troupes. Allez-y. Tendance insoumise. C'est pas toujours la même truc là. Elle là. Ah si, ils me détestent. Ouais. Par contre, eux, je pourrais les annexer bientôt. Ah, c'est 39 qu'il faut, pas 38. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà. Parce que tout ça c'est bien beau. Mais à la longue, qui c'est qui gagne? C'est Bibi. Parce que de toute façon, mes vassaux tribaux sont extraordinairement puissants et utiles. Et puis ils se régénèrent tout seuls. Donc, et si vous voulez qu'on leur dise. On le taffe, hein? Voilà, vous aviez des troupes ici, vous, avant, dans le temps. Voilà. Nettoyage. Bon, bah écoute, la cavalerie va aller se reposer à Alésia, vu que c'est la fin de la guerre. On y va. Alors, est-ce qu'on n'a pas laissé passer par hasard le temps de la paix là? Non, c'est le 1er janvier. On a peut-être l'occasion de la faire avant finalement. Allez, allez, on avance tranquillement.
Ça devrait être une victoire facile là, je pense. À 40 000 contre. Allez, bon, bah écoutez, ça va se terminer exactement au moment où on pourra faire nos paix séparées. C'est très agréable. Voilà. La paix séparée, c'est au mois de janvier, donc c'est maintenant. Marrant cette bataille. On est d'accord qu'il n'y a personne de nouveau dans la guerre. Bon, bah. Toi, est-ce que tu veux faire une paix? Ou tu me donnes bah, ça, et puis ça, et puis ça. Et ça fait pile poil 15. Et ça fait trop. Pas ça. Donc ça, et puis ça. Ça fait 127, c'est trop pour toi. Quatre-vingt-seize, tu veux pas. Enfin, en même temps, 96, tu vas finir par l'accepter, moi je le dis. Quoique, on peut prendre des trucs à l'autre, hein, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, maintenant tu veux bien. Bah, voilà, on va faire ça. Ouais, mais attends, c'est à toi. C'est bien à toi que je demande, hein. Ok. Plus sous tes sous. Non, tous tes sous c'est trop. Et c'est que j'ai eu des faux frais moi. Hein. Bon, ok. Et à l'autre. Eh ben à l'autre, on doit prendre 6% maxi. Ça c'est pourri. Ça c'est bien ça. Ça fait 9%. Waouh. Ça aussi c'est bien. Et ça aussi. Mais ça touche pas. Ah, mais ça c'est bien parce qu'on aurait toute la province quand même. Et donc. Ça c'est un truc à part. Ça c'est un truc à part. Ça on en a un bout. Ouais, je vais le prendre ça. Ça non. Ok, donc l'intérêt pour nous c'est de prendre des trucs là-dedans. Mais pas grand-chose parce que de toute façon t'es déjà à... Il n'y a pas de ville hein, de prise. Non, il t'affiche ça pourquoi? Parce que t'es au-dessus de 4, c'est ça? C'est ça parce que t'es au-dessus de 4. On est à 4,66. Ça fait 47, 48, 34. 48 34 on peut prendre on peut peut-être prendre deux petites babioles. Ouais, on peut prendre deux petites babioles ici. C'est l'inverse. Voilà. Et là on serait. Et ça m'énerve de pas avoir le calcul exact, mais bon, je vais me faire confiance. Hein. J'ai pas envie de recalculer 10 fois. 49,91, c'est parfait. Alors on a pris beaucoup ou on n'a pas pris beaucoup? Alors, on a quand même pris tout ça là. On a complété là. Ok, je sais pas si on en avait beaucoup en carte d'outils des trucs. Peut-être pas forcément. En tout cas, on a pris tout ça, on est descendu là. Et là, on a pris un tout petit peu. Bon, normalement, ils sont calmés quand même un petit peu là. Hein, pour le coup. Allez, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il n'avait pas de la corruption, lui? Non, parfait. Innovation.
Mais finir par le prendre, le truc qui fait baisser les triomphes. Non, mais pas tout de suite. Clairement pas. Bon, bah là, on est vraiment, vraiment parfait partout. Pas, ça, c'est pas parfait partout, ça. On verra ça tout à l'heure. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à tout de suite pour la suite.